Bonsoir Hélène Cole. Bonsoir. Le terroriste est recherché, évidemment, le fugitif au cœur d'une chasse à l'homme que nous décrivons le soir. Hélène, on a beaucoup parlé de son profil de délinquant, 27 condamnations à 29 ans. 27 condamnations à 29 ans, rappelons-le. Juste après Strasbourg, si on traverse la frontière, il était aussi connu, Hélène, des services allemands. Oui, car il est passé devant la justice allemande et il a été condamné en 2016 à de la prison ferme, 2 ans et 3 mois pour 2 cambriolages dans le sud du pays. Alors à chaque fois, on est à proximité de la frontière française, ce qui fait dire à son avocat allemand que Sherif Shekat faisait sans doute la navette entre les deux pays. En tout cas, il n'a pas communiqué d'adresse en Allemagne à son avocat, qui précise aussi que Shekat ne parle pas du tout allemand. Alors au début de l'année 2017, à la moitié de sa peine en Allemagne, il a demandé à profiter d'une disposition l'autorisant à finir sa détention en France. Et c'est intéressant de noter que lors de son séjour en prison en Allemagne, il n'avait pas montré de signe de radicalisation. Les autorités allemandes n'étaient pas du tout au courant qu'il était à ce moment-là déjà fiché en France. Alors hier, la police allemande a ouvert une enquête contre lui et contre son frère Sami, avec lequel il pourrait avoir pris la fuite. Il s'agit en fait surtout de vérifier si les deux hommes ont des liens avec les milieux islamistes d'Allemagne, des réseaux, peut-être des complices, car juste avant de passer à l'acte, mardi soir, Sherif Shekat a reçu un appel téléphonique en provenance d'Allemagne. Il n'a pas décroché, mais c'est un fait qui intrigue beaucoup les enquêteurs ici, alors que la traque se poursuit de ce côté de la frontière également ce soir. Merci beaucoup Hélène Cole, notre correspondante en Allemagne.